m'appelle Chanoir, je suis plasticien, je viens de Colombie. J'ai commencé à peindre au milieu des années 90 dans les rues de Paris. J'ai passé mon diplôme aux Beaux-Arts de Paris aussi et après je suis parti peindre à Barcelone et à Bogota. Je me suis servi des trouvailles des artistes des années 80, en particulier de la figuration libre et de gens comme Picasso ou le mouvement Dada qui se sont intéressés aux arts premiers pour avoir une esthétique post-graffiti mais qui se nourrit de son passé. Ce qui m'a séduit dans le projet Hardcover, c'est que pour une fois, les gens pouvaient emporter un chat au lieu de le voir tout simplement sur un mur. Et ça, c'est intéressant par rapport à la démarche classique du graffiti qui est en général, on le voit une fraction de seconde dans la journée. Pour cette coque, j'ai choisi cette toile qui représente une bande de chats noirs tous différents et c'est à chacun de choisir son chat qui lui ressemble. C'est une toile pour la diversité. Ce modèle, c'est les chats dans les nuages, c'est les choses invisibles qui nous entourent, les anges, les fantômes, nos ancêtres qui sont là pour nous soutenir au quotidien et nous porter bonheur. Ce modèle est un modèle pour coque blanche, très simple, comme un tag que j'aurais pu faire dans la rue, à la bombe noire avec une expression et une signature. Ce modèle, c'est un hommage à la Zulu Nation, avec l'idée d'unité et de respect, des chats de toutes les couleurs, mais c'est surtout le modèle préféré de mon fils. Ce modèle est fait spécifiquement pour les coques noires. L'idée est de transformer votre téléphone en tête de chat noir. Il a ce petit regard malicieux parce que il a en mémoire toutes les photos les prometteuses et les soirées bien arrosées.